Jérôme Cahuzac est notre invité ce matin. Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Sur cette affaire de compte en Suisse, ces accusations de Mediapart. Alors, vous avez demandé aux Suisses de chercher la trace d'un compte à votre nom. On est bien d'accord? Non. Et donc ces arguties de prête-nom, que vous ne prenez pas à votre compte, mais que certains, parce qu'ils n'ont que le fiel à déverser, mais que certains reprennent à leur compte, ces arguments sont des arguties et je les récuse. Ces gens-là, ces accusateurs... Ces gens-là, sans être péjoratif, ces accusateurs. On pourrait l'être. Je n'ai pas de jugement à porter. Vous pouvez porter. On pourrait l'être, moi. Oui. Ces accusateurs, pourquoi vous accusent-ils? Vous avez pensé à démissionner? À aucun moment. À aucun moment? À aucun quitter moment. Le gouvernement? Pourquoi démissionner quand on se sait innocent? Pourquoi faire ce cadeau à ceux qui vous accusent de la manière la plus honteuse? Pourquoi céder à ceux qui vous convoquent au banc de l'infamie? Je ne céderai pas. D'autres moyens? Je n'ai pas cédé, je ne céderai pas. Parce que je sais ce qu'est la vérité. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Parlons des économies que l'État doit faire et doit continuer à faire. On est bien d'accord, bien sûr, Jérôme oui. Cahuzac. J'ai encore quelques questions. Est-ce qu'il existera un impôt avec un taux supérieur à 75% pour les foyers fiscaux dont les revenus dépassent 1 million d'euros par an? Je vois bien la question que vous me posez. Elle est claire. Elle est un peu compliquée. Alors allez-y. Elle est quand même un petit peu compliquée. C'est donc la fameuse les mesure... Les foyers fiscaux. J'ai bien compris. Ça veut dire que c'est un sujet allez-y. Très difficile. Non, mais ça, très alors, difficile. C'est que la une décision réponse qui n'est pas une réponse et que la, difficile. Et que la décision que le gouvernement prendra mais sera soumise ça veut dire au Conseil d'État. Oui, mais ça veut dire que vous l'avez prise cette décision. Je ne crois pas que le président pas de la République encore. Ait rendu ses derniers arbitrages. Nous tiendrons la dépense J'ai une publique dernière question aussi bien sur les qu'en retraites. 2012. Elle est très importante. La désindexation de la revalorisation des pensions de retraite sur l'inflation. Vous êtes favorable à cette désindexation? Il y a les retraites de base et les retraites complémentaires. Oui, oui. Il y a les retraites de base et les retraites complémentaires. Oui, oui. Les partenaires sociaux ont, me semble-t-il, évoqué la question de la désindexation des retraites complémentaires. Vous appuyez. Dans les retraites de base, je me garderai bien d'indiquer quelle solution, dans l'immédiat, à moyen ou à long terme, il faut prendre pour que ce régime de base soit sauvé. C'est du ressort de la discussion de la négociation qui interviendra probablement cette année.
à coup d'annonce fracassante fuce, et certainement pas à coup d'annonce fracassante fuce, avec vous, Jean-Jacques Bourdin.